have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens de recevoir plusieurs colis. Donc, je vais faire une petite vidéo déballage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Je sais plus ou moins, hein, parce que c'est moi qui les ai commandés, c'est moi qui les ai payés. Commençons par le premier. Ah, bah, ça c'est les lampes Xiaomi Mija. Donc j'en avais acheté deux dans la même boutique. Donc ceux-là, je crois que je les ai payés 4,97 €. Donc 4,97 € pour les Français. Voilà. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pour ceux que ça intéresse. Donc ils peuvent aller voir dans mes vidéos. Donc c'est la Xiaomi Mija. Donc c'est une lampe qui fonctionne que dans l'obscurité, donc avec un détecteur de mouvement, etc. Donc je l'ai testé tout à l'heure. Ici, donc ici, oh bah, ce sont des ciseaux, hein. J'en avais besoin. Donc, est-ce que le gars a tenu parole? Est-ce que le gars, il les vendait qu'en jaune? Et je lui ai demandé s'il en avait en noir. Et il m'a montré ce modèle-là. J'ai dit ok. Bah, apparemment, il les a montrés. Normalement, il y avait ça s'est vendu par 5. Il y avait plusieurs modèles. Plusieurs modèles donc de taille. Et là, il m'a dit si ça me convenait parce qu'il n'avait pas différentes tailles. Donc là, apparemment, j'en ai deux de même taille, des grands. Et trois petits. Mais bon, j'ai accepté parce que quand j'avais regardé, ces ciseaux-là, ils étaient vendus 3 € seuls. Ceux-là, un petit peu moins cher, je pense 2 € ou 3 € aussi. Et le lot était vendu 7,50 €. Et là, je ne sais pas quel petit cadeau il m'a mis. Des petites pinces. Ah, des petits ciseaux. Vraiment des mini-ciseaux pinces, je ne sais pas. Je sais pas si vous avez bien vu. Donc voilà. Des ciseaux. Hein. Hop. Et on a mis une petite pince. Donc, le troisième colis. On va tester les nouveaux ciseaux. Hop. Ah, donc c'est un colis que j'attendais aussi. Voilà, donc c'est la fameuse caméra de chez Xiaomi avec un moteur, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, donc c'est le modèle 720p, ils ont aussi le modèle 1080p. Mais bon, pour une caméra de surveillance, 720p ça suffit largement pour l'enregistrement des vidéos. Passons au dernier colis. Donc pour ceux que ça intéresse, je ferai une review de ça. Hein, donc je vous ferai une présentation de la caméra une fois que je l'aurai installée et quand j'en aurai le temps. Donc le dernier colis. Une grande boîte quand même.
Là, je ne sais pas du tout. En tout cas, les ciseaux fonctionnent bien. Hein. Donc ceux-là, je les ai achetés sur AliExpress. Les lampes, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je les ai achetées sur Banggood. La caméra, je l'ai achetée sur Gearbest. Donc moi, pour l'instant, ça fait plusieurs années que je commande sur les sites chinois. Et j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours eu mes commandes. Mes commandes sont toujours arrivées. Bon, la boîte, vous avez, parfois les boîtes, ouais, avec les transporteurs, hein, c'est pas les boîtes sont un peu abîmées. Donc là, c'est une manette. Une manette sans fil Bluetooth, compatible ben, tout. Donc iOS, Android. Voilà, je l'attendais, ça faisait longtemps que je l'attendais. Et bien sûr, j'ai commandé aussi des cartes SD. Donc pour les caméras, j'en avais acheté deux. Donc ceux-là, je pense que je les avais payés 5 € et quelques. Et j'en ai recommandé deux, je pense. Parce que j'avais encore trouvé moins cher. Donc pour des cartes SD, je l'ai testé. Hein, donc de bonne marque. Et donc 80 mégasecondes, hein, vous voyez la vitesse. 3.0, 16 gigas. Donc c'est des 16 gigas, hein, les 32 gigas. Pour les des caméras, il n'y a pas d'utilité. J'en ai plusieurs de 32 gigas. Mais pour mes autres appareils, hein, les tablettes, etc. Mais pour les caméras, ça suffit largement, 16 gigas. Hein, vous allez jamais les remplir. Voilà, c'était tout. Donc voilà les petits colis que j'ai acheté. Donc je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez des tests de ces produits-là, je vous en ferai. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour favoriser l'un ou l'autre. Je vous remercie. Bonne journée.